Salut à tous, c'est Capitaine Flamme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le cinquième épisode de Capitaine Équipe saison 2. Et j'ai trouvé deux, trois petits objectifs que je voulais ajouter. Et je les ai faits dans un mode créatif un peu pour vous montrer. Donc, en fait, c'est ce temple, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Je vais devoir en fait créer 7 murs avec des ressources différentes du jeu. Et un petit totem aussi. Donc il va falloir faire un mur en obsidienne, en bloc d'or, en bloc de lapis-lazuli, des blocs de fer, de la laine rose, de la laine verte et de la laine noire. Et un bloc de diamant pour terminer. Et ça c'est pas obligatoire, mais je verrai bien combien de temps je vais mettre à faire ça. Mais par après, je devrais faire une petite bibliothèque dans ce genre-ci pour pouvoir améliorer les items et les enchanter au niveau maximum si c'est possible. Donc voilà, je voulais vous montrer ça avant de continuer. Bon, nous allons reprendre la sauvegarde. Désolé si ma voix est un petit peu... bizarre, c'est parce qu'en fait je suis malade comme un chien et je parle du nez comme pas possible, mais je suis en congé. Donc je me suis dit que j'allais tourner un petit peu aujourd'hui. Parce qu'on peut faire et que je vais mettre la fenêtre à cette fenêtre. Parce que ça manque un petit peu de fenêtre. Je me suis dit aussi que pour vous remercier un petit peu de regarder une vidéo, j'allais peut-être faire essayer de faire un genre de cimetière, enfin un champ comme ça, où je mettrais des petites croix et où je mettrais le nom d'un de vous. À chaque épisode ou à chaque moment. Donc comme pour le moment je ne meurs pas beaucoup, ben, je vais en mettre à chaque épisode. Comme ça, vous serez en partie intégré à la saison. Donc, je vais prendre deux points. Ça parce que je vais avoir besoin de beaucoup de ressources. Donc oui, dans les autres épisodes j'avais dit que j'allais prendre de l'encre noire, bon en fait elle va me servir. La rouge aussi je pense. Je vois que j'ai des ressources. Les blocs de laine. Donc je vais me faire par contre un petit coffre histoire de mettre tous les trucs pour les objectifs. J'ai compté en fait pour faire un mur complet. Niveau minerai, donc fer, or et lapis, il en faut 81 ou 60, ce que vous dites en France, je ne sais plus trop comment dire. Et donc ça requiert beaucoup de recherche. Donc pas mal de ressources. Il faut quand même sacrifier. Peut-être je vais en mettre. Je vais en faire
faire déjà deux temples. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est créer le temple. J'ai envie de faire un petit peu de construction. Jamais qu'il y a des petits creepers. Donc oui, pardon, pour ceux qui avaient déjà remarqué, j'ai configuré le mode CJD parce que en fait je trouvais qu'il faisait la game au PC comme pas possible et il n'apportait pas tant de choses que ça. Donc j'ai décidé de retirer. J'ai même pensé à jouer avec le pack de texture normal, mais enfin je sais pas, je suis tellement habitué à celui-ci. J'espère que les objectifs vont être clairs. Parce que franchement, j'y réfléchis maintenant pas mal de temps. J'espère avoir trouvé un truc pas mal. Même si j'avoue, je me suis un peu. Comment dire. En fait, j'ai regardé la saison 1 de Minecraft Hardcore. Hype4U31 qui maintenant est un des youtubeurs minecraftiens les plus connus, qui au passage a réussi à faire de sa passion son métier. Donc là pour le moment il travaille pour des studios de lien, il a fait des saisons et des vidéos pour Minecraft Hardcore. Et en fait dans sa saison 1, il s'était donné des objectifs, il s'agit des murs un peu comme moi. Avec les choses que je n'ai pas vues, mais au-dessus de sa maison. Et j'ai envoyé un message à ce Hype4U pour voir si ça dérangeait, si je prenais un petit peu les objectifs. Et après pas mal de temps, il m'a répondu en disant que les objectifs, mais c'était des objectifs n'importe qui pouvait reprendre, que c'était pas du tout que j'étais même qu'il était un peu content que je. Exemple sur lui. Donc, je me suis dit, bah, tant mieux, là on va les installer à la télé. Et donc voilà, donc pour ceux qui vont dire, ouais, c'est du plagiat et tout ça, t'as même pas cherché pour les objectifs, et ben si, parce que le temps, comme je vous dis, là j'ai dû le trouver. Enfin, déjà imaginé, ensuite de construire après le marché, pour avoir une idée de comment il allait. Et pour ceux qui sont pas contents, je après faudrait que je fasse que j'enterre un coup, je fasse une petite pause pour aller piocher un pseudo au hasard. Donc je prendrai les pseudos sur les commentaires en fait des autres épisodes et les prochains qui vont arriver de la saison 3. Que si vous voulez avoir une petite partie de vous dans ma saison, et ben, mettez des commentaires. Pas forcément. Mettez des commentaires, je piocherai au hasard. Et puis si vous avez de la chance, vous serez toujours à la fin. Et puis aujourd'hui, donc, épisode construction.
Et ensuite, si j'ai encore le temps, il faut d'abord que j'enterre quelqu'un d'entre vous. Vous m'avez dit de faire ça ici. Un petit champ. Un champ de bois, des statues pour le mot. Et ensuite, je commence à planter le bois avec la bonne mille. Et à mon avis, l'épisode sera un peu long parce que quand j'ai pas du tout regardé quand j'ai commencé, je sais que ça va être un peu bizarre. Donc, je vais directement un peu, une fois que j'aurai traîné les objectifs, ça mettra fin à la saison et on va recommencer une autre sous une meilleure base, un peu comme maintenant, parce que vous voyez que cette saison, j'ai trouvé les objectifs. Et ce sera un peu plus structuré que maintenant, ce qui permettra les saisons. J'ai rajouté le mode de la finesse qui est passé ce matin en 1.2.3 et donc je l'attendais vraiment ce mode parce qu'il est vraiment super. Il ajoute pas grand chose, enfin si, il ajoute quand même pas mal de sauts et tout ça, mais dans l'absolu il rajoute pas grand chose, mais je sais pas, moi j'ai l'impression d'être moins seul avec cette mode là, donc ça me plaît. Ça l'attend. Il va falloir vraiment aller rechercher les ressources. Je n'ai plus de quoi me faire des torches.
Ah non, c'est pour ça qu'il n'y a pas de monstre. Je vais me mettre ici. Je vais faire une petite pause et je vais aller voir sur la page YouTube. Je vais pêcher au hasard le pseudo d'un abonné et je reviendrai pour aller faire sa petite croix derrière la maison. Tout de suite. Le nom d'un appareil. C'est possible sans partir au bout. J'ai dit ça, par contre, bizarrement, les achèvements sont terminés. Bizarre. Bon, est-ce qu'on va enterrer? Écoutez, monsieur. Yo 23. Donc, félicitations à toi. Tu es décédé dans ma saison. Merci de commenter la vidéo et de t'abonner. J'ai déjà eu plusieurs commentaires, il me semble. Donc je te remercie et je t'invite à continuer à faire comme ça. Ça me fait plaisir. Voilà, ça c'est bon, on a 10 comptes. On va commencer par planter les graines qu'on a déjà trouvées. Donc, il y a des creepers partout, j'en ai pas du tout. Il va falloir que je trouve un truc, mais histoire de me faire une sortie de secours. À mon avis, je vais faire une forte barrière ici. Comme ça, si jamais il y a des creepers tout près, je peux sortir en secours. Ça, bon. Ça j'ai besoin de vous. Ah non, parce qu'elles sont les graines. Voilà. Et on a besoin de on va passer le bois. Un coup de rose. Ah oui, mince. Je vais bien se faire un petit coup. Et on va se faire irriguer le champ. Dire pourquoi je fais ça, c'est juste pour, parce que si vous êtes dans le script, moi j'ai possible directement d'avoir un parfum à changer un peu de viande, voilà, comme ici. Il y a un zombie qui est en train de taper la porte, mais c'est ici, hein, qui va décider. Et comme ça, on aura un peu plus de viande quand j'ai commencé. Et un petit peu plus. Normal, il n'y a pas de...
bête, j'ai pas réfléchi plus loin. Qui est bien bouché au passage. Il va falloir pas faire. C'est un petit saut. Je me serais bien. Que je me balade assez sereinement autour des monstres. C'est bizarre, vraiment. Je viens de me réveiller, je suis en congé, j'ai envie de faire des vidéos. Je suis un petit peu malade, mais ça c'est pas grave. Donc, je ne fais pas gaffe aux monstres. Et je vais essayer d'arrêter de crier dans les saisons, parce que souvent, quand il y a un monstre qui apparaît, je gueule un coup. Je vous invite toujours, si vous avez des objectifs ou des défis à me proposer que je pourrais intégrer à la saison, vous pouvez continuer de les poster en fait. Parce que si je ne les fais pas cette saison-ci, mais que je les trouve assez bien, bah, je les intégrerai dans la saison suivante. Et comme ça, bah, les faire et que vous soyez contre. Je vais me ranger ici parce que c'est le problème. Merci d'avoir regardé cet épisode, c'était l'épisode 5 de Capitaine de Clip saison 2 et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Salut à tous.